Eh frère, les banques, ça devient nimp, ça devient nimp. Avant t'allais, tu faisais un virement, tu signais et tu faisais le virement. Maintenant, non, monsieur, c'est une trop grosse somme, on peut pas faire des virements à l'agence. Il faut que vous envoyiez un mail. Mais je m'en bats les couilles de ton mail. Vas-y, j'envoie un mail, j'envoie mon passeport, j'envoie tout, même ma... J'ai scanné mes yeux-coups, je les ai envoyés. Et là, maintenant, moi, je me dis, c'est bon, tu sais, j'ai pas eu d'un... Ouais, on vous appellera demain. Maintenant, demain, aujourd'hui, il n'y a aucun appel, frère. J'appelle, il n'y a aucune réponse. Bon, vas-y. Tu sais, quand même, tu sais, je check mes mails. Je regarde mon mail. Ouais. Fail notifique. Frère, le mail, il est même pas parti. Ils me l'ont dit qu'à 15h20. Non, monsieur, on peut pas faire à l'agence. C'est trop gros comme virement. On peut le faire en deux fois. Bah non. Non. T'as fait un truc, tu vas pas appeler la personne. Dites-moi. Ouais. Tu me donnes la bagnole et je te paye en deux fois. Ils vont me dire, mais va te faire enculer l'arabe. Bah là, c'est pareil. Putain, mais c'est... Mais avant, il n'y avait aucun problème. Avant même, tu sais que tu faisais un chèque normal. Tu disais, vas-y, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, chèque, même maintenant, même les gens, ils veulent plus de chèque de banque. Putain, c'est quand même un chèque de banque, enculé. Non, non, virement. Bon, bah vas-y. Et maintenant, même les banques, ils veulent plus faire de virement. Mais vous êtes malade. Donc là, je suis obligé de me redéplacer. Alors que j'étais en train de faire un truc hyper important. Clairement, je faisais rien. Mais il fallait quand même que j'aille à l'autre bout de Paris, à ma banque. Non. Vous en avez reçu votre mail? Bah ouais, mais je l'ai envoyé à l'adresse où vous m'avez dit. Non, ça n'a pas marché. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là. Ouais, mais ça reste un virement trop important. Je vais virer. Putain, ça me retarde dans tous mes plans machiavéliques que je réfléchis depuis une semaine. Mais parce que vous avez bien vu, si ça fait une semaine que je suis un peu moins présent, c'est parce que je concocte un truc, tu vois. Un truc d'une grosse envergure, mais je peux pas. Parce qu'encore une fois, on me baise. Et ces freins de raouège qui grincent. Putain, dès que je freine, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as le cul à l'air! Mais t'as le cul à l'air! Mais espèce d'enculé! Mais combien il fait? Combien il fait? Il fait 2 degrés! 2 degrés, t'as le cul à l'air! Tu as le cul à l'air! J'y crois pas que t'aies le cul à l'air! Elle est où celle-là? Mais attends. Mais elle a vraiment le fion à l'air! Elle a juste mis un petit voile, frérot! Allez, casse-toi, toi, vite. Casse-toi, putain, casse-toi. Regarde. Regarde, regarde. Elle a le cul à l'air, l'enculé. Merde. Elle a le cul à l'air. Nous, on est là, on meurt de froid. Et l'autre, elle est là, petit cul à l'air. On est bien. Bon, écoute. Laisse-moi passer, toi. J'en ai marre de ces freins là. Écoutez. Non mais là ça va pas le faire évidemment. Là la tété frérot, je commence à plus pouvoir me la supporter. Je commence à plus pouvoir me la supporter. J'ai essayé, j'en peux plus. Voilà, ça fait assez longtemps. Ça fait depuis novembre que je suis dedans tous les jours comme un raouège. Tout ça pour faire le mec normal. Attention, ça va passer. Et j'arrive plus. Il est temps que je reprenne mes bonnes vieilles habitudes. Donc là, je vais arriver à la banque et vas-y. Monsieur, non. C'est quoi? Ah putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait une bête dans la voiture. C'est une bouteille d'eau qui fait ça. Ah frérot, je peux virer. Là, il y a une sauterelle qui est planquée dans la bagnole qui me saute à la gueule, frérot. Je suis à bout de nerfs aujourd'hui. Un truc de ouf. Là, je suis mauvais de ouf. Allez, vas-y. Là, on va se garer et on va faire le mytho. Bonjour, vous allez bien? J'ai reçu votre mail. Ouais, c'est normal, l'adresse, elle est plus bonne. Bah, je sais pas, tu pouvais pas me le dire hier. Que je passe comme un raouège. Vraiment ça? De quoi? Ça tient vraiment. Oh là là. Ça y est, j'ai fait mon virement. Je suis frigorifiéd. Oh putain, qu'est-ce qui caille là? Et j'arrive pas à croire que l'autre. Elle était à poil, enfin elle avait le cul à l'air, genre. Et juste avec un petit voile qui lui entourait le fillon. Mais putain, mais t'es autant une salope
pour sortir un jour où il fait 2 degrés pour aller montrer ton cul. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais comment ça se fait que tu sois possédé par le cul à ce moment-là? Ça veut dire que pour... Je vais être hyper violent, excusez-moi. Ça veut dire que concrètement, ce genre de connasse, ça doit être une blogueuse à la con. Elle doit avoir, je sais pas, peut-être 100 followers. Et pour 100 personnes, elle est sortie dehors. Elle a appelé sa copine. Ouais, la féca, est-ce que tu peux venir en faire les belles photos dehors? Mais t'es folle ou quoi, Aziza? Elle fait bien trop froid. En plus, on n'a pas les papiers. Mais c'est pas grave. Je vais mettre sur mon blog une belle photo. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas mettre? Une robe Dior, une robe Chanel, une robe Balmain? Non? Non? Je vais mettre... Écoute le concept. Mon cul à l'air. Mon cul rempli de couscous à l'air. Avec un petit voile sur le fion. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Mais putain, il fait 2 degrés, salope. Je suis là, casquette, lunettes, doudoune, chauffage. J'ai même le chauffage qui me chauffe le cul. Et cette... Benedictum... Elle est là? Ouais, attends, je vais me mettre sur mon blog. Ah, regarde, Hafida. Ça fait 7 heures que j'ai posté la photo, j'ai un like. C'est qui? Regarde, fais voir qu'est-ce qui a liké. C'est Aziz, celui-là, Aziz. Aziz, il a même pas les papiers. Fais attention où tu vas, toi, espèce de tarantu. Ce message s'adresse à Zoé et à Alex. Là, il faut que je suis en route. T'as vu l'humeur dans laquelle je suis, là? T'as vu l'humeur? Et là, il faut que j'aille filmer la Tesla. Ah, Alex, il va tout manger. Toute ma mauvaise humeur, toute ma folie, il va la manger dans cette vidéo. En plus, j'ai la dalle, j'ai froid, truc. T'inquiète pas, j'arrive. Allô? J'arrive, ne vous en faites pas. Allô? J'arrive. Putain. Mais t'es en polo, là? Ah ouais, ma gueule! Ah ouais, non mais alors déjà, tu me parles pas comme ça. Je pourrais être ton daron. Déjà. Non, mets ta petite laine, Alex. Bon, je me suis préparé. Ouais, mais t'as. Regardez ton dernier snap. Voilà, là je suis hyper chaud. Ça. Et tu peux me suivre s'il te plaît, Alex? Je veux me garer quelque part, je veux pas laisser ma voiture ici. Merci, Alex. Qu'est-ce qu'il a le taxi? Il veut laver les carreaux de mes lunettes? C'est sens interdit, connard!